My name is Simira Oulaila, and I am a passionate filmmaker and photojournalist. I am French of Moroccan origin, and I was born in Normandy, a beautiful region in the northern part of France. More than 40 years ago, my father and mother came to France as immigrants from Morocco. They left their homeland for a better life in France. They left their families and everything else in Morocco in search for a brighter future to give to their children one day. In the 1960s and 70s, the French state was in dire need of labor workforce to rebuild France's economy after World War II. My father was one of those recruits, this generation of Muslims from North Africa who worked very hard for the French nation, but with very little recognition. Sadly, my parents were also faced with a lot of racism in France that became very acute in the 1980s under the leadership of the ruthless far-right politician Jean-Marie Le Pen. Premier devoir d'un homme politique, d'un homme public, c'est de dire la vérité aux Français. I wasn't given a religious education, but my parents made sure I did not forget about my Moroccan roots and my Muslim heritage. My upbringing was more traditional, with regular trips to Morocco over summers to visit my extended family. Maybe some of the happiest times in my life, in which I loved hearing the sound of the azan while I watched my grandparents pray in peace. These are the moments I miss so much and bring tears to my eyes when I think of them. In this documentary, I will refer to my childhood and reflect on the person I have become today, a proud French Arabic girl, profoundly humanist, who upholds the values of liberté, égalité et fraternité very highly despite the racist and Islamophobic sentiments in France, of which we are still victims, we, the second and third generations after our immigrant parents. I will travel back to France from London, and I will land in Paris, where I will go to meet fellow French Muslims who will share with me their life experience, their hopes and their dreams. This documentary is simply a journey to rediscover myself and my connection to my Muslim heritage through the beautiful values of Islam in my homeland that I call France. I was born in 1976 in a tiny little town called Gruchet-le-Vallas in Normandy in northwestern France, a region famous for its green scenery and beautiful and breathtaking coastlines. I grew up near Le Havre, meaning in English the harbour, an urban French city, which is also the second largest port in France. Because I grew up very close to the coastline, I have always been fascinated by the sea and also by large rivers, such as the River Seine in Paris. And today, I still enjoy spending hours walking by the River Seine. I have also had this fascination for the Parisian way of life, the most romantic city as they call it. I have grown up listening to French classic songs, and Edith Piaf has been one of my favorite singers. I had always found her astonishing voice a reflection of humanity in a world of wars and violence. The tragic death of her partner, Marcel Cerdan, in a plane crash in 1949, added to her tragic despair that made her voice even more powerful, even if she never recovered from the loss of her partner. Edith Piaf died in 1963. She was only 47. The French Catholic Church refused to give her a religious funeral. To me, it was a clear injustice against a great woman. Her most famous song, No Regrets, applies in many ways to my own life, which is to live my life not regretting the past, love the present, and embrace the future.
My passion for French classic songs did not set me apart from my Arabic heritage, and since a little girl, I had a passion for Arabic culture and Islamic history in my native Normandy, where I would spend hours by the sea reading books as I saw boats passing by. I read widely about the famous Muslim Moroccan scholar and explorer Ibn Battuta, who widely traveled the world during the Middle Age. Ibn Battuta was born in 1304 in Tangier in Morocco and traveled across the planet over a period of 30 years to uncover the Islamic and non-Islamic world. I remember being inspired after reading his accounts, and I had promised myself that one day I would do the same and travel the world. And I did. I would never have thought one day that from the depths of my native Normandy, I would make it to the Holy Land and would visit Aqsa Mosque in Jerusalem. It was an eye-opener to my future journeys that took me to more than 25 countries around the world as a solo traveler, in which I was blessed to live the everyday life of tribes in the Amazon, to interact with nomads in Mongolia, and be part of the mountain people everyday life in Ecuador. And it was all done with the blessing of Allah, subhanallah. My life as a child and a teenager in France wasn't easy, and I suffered of a lot of racism at school because of my skin color. The area in Normandy where I lived with my family was in majority a white area, and shy Arabic children like myself were often the target of bullying and harassing. For some of the white people, we did not belong to France. We had to go back home. But home was France and nowhere else. For me, it was a deep sense of injustice. At that time, and very often, I wished we had a madrasa where I could go and be with children like me of immigrant parents, and where I could learn classic Arabic and study the Quran. But there was no madrasa in the town where I lived with my family. I wanted to have a feel of what it is like to be in a madrasa, and I got to meet Muslim teachers and children in the heart of Paris. Amin Adadi, an imam and director, welcomed me in his Muslim Cultural and Education Association. Bonjour, salam alaikum. Amin Adadi, president de l'Assemblée de Paris. Amin Adadi has worked with a lot of passion to provide with his team of teachers a beautiful school or madrasa to young French Muslims from all walks of life. Alors moi je suis le président de cette association qui a été fondée en 2008 suite à la fermeture d'une petite salle de prière située dans un foyer de travailleurs, de jeunes travailleurs. L'association a commencé à chercher ce local et on a eu beaucoup de difficultés. Ensuite, à partir de 2012, on s'est installé dans ce local et on a mis en place nos activités. Alors, nos activités, en général, c'est des activités culturelles, principalement l'apprentissage de la langue arabe et bien sûr un peu d'éducation musulmane pour le petit musulman, ce qu'on appelle le fiqh muslim pour le musulman sarir, le petit musulman. Alors c'est apprendre à respecter autrui, à respecter les parents, l'apprentissage de la prière, l'apprentissage des principes fondamentaux de l'islam pour un petit musulman, afin qu'il vive, ce petit musulman aussi vive sa religion. Suite à une forte demande de nos adhérents, de nos sympathisants, on a mis en place aussi des ateliers de soutien scolaire. Ces ateliers se basent principalement sur des matières scientifiques comme les maths, la physique, et on a eu vraiment une réponse forte des parents, donc qui étaient très très contents du résultat à la fin de l'année scolaire. L'association aussi a son volet cultuel. Son volet cultuel, c'est elle a réussi avec la mairie de Paris, la mairie du 15e arrondissement, de mettre en place les prières de l'Aïd. Qui commence les prières de l'Aïd, qu'on a commencé à célébrer à partir de l'année 2009 dans un gymnase.
dans un gymnase loué. Et donc, on a mis en place ces prières de l'Aïd, les deux prières de l'Aïd, à partir de 2009. Et à ce jour, on est toujours en train de les organiser. Il y a un sentiment ici en France que l'islam est devenu quelque part une menace, qu'on ne veut pas vraiment forcément appuyer les personnes comme vous pour pouvoir en fait justement apprendre l'arabe aux enfants. Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, la peur de l'islam, elle vient suite à des événements tragiques. Certains ont profité, ont surfé sur ces événements. Et c'est devenu leur registre de commerce. Ils vivent avec ça, ils vivent en faisant peur aux gens que l'islam est une religion d'extrémisme, l'islam est une religion de peur. Et donc, si on parle d'islam, eh ben, on parle aussi de musulmans. Et ensuite, les musulmans, on les compare à des terroristes. Et donc, c'est un cercle vicieux et qui ne s'arrêtera jamais. Nous, ce qu'on peut dire à ces gens, c'est que nous, on continue à vivre, on continue à partager et à vivre le vivre ensemble, car le vivre ensemble, il existe en France, qu'on le veuille ou non. Et ces gens, on les laissera parler parce que tout simplement, on ne peut pas les faire taire parce que tout simplement, ils ont des plateaux, ils sont invités sur des plateaux de télé. On leur donne la parole au nom de la liberté d'expression et on les laisse s'exprimer et on leur a libéré cette parole. Et donc, ils passent leur temps à critiquer et à mettre en garde et à faire peur le peuple français contre la religion d'islam qui était une religion de paix, une religion de vivre ensemble que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué quand il était déjà à Médine où il a vécu avec plusieurs tribus qui n'étaient pas musulmanes. Justement, la nouvelle génération de nos jours défend cela, la nouvelle génération de musulmans, comme vous et moi, on parle pour défendre l'islam. Est-ce que vous pensez que nous faisons un bon boulot en faisant cela par rapport à nos parents? C'est deux générations différentes. Nos parents sont venus ici en France pour travailler et ils avaient un but, c'est de revenir dans leur pays d'origine. Ensuite, ils se sont retrouvés avec une progéniture, une génération qui est née ici. Qui est née ici, qui a grandi en France, qui a étudié dans les écoles françaises et qui travaille et qui s'est... et qui a une autre qui a mis au monde aussi une autre génération. Nous, si on est là pour défendre notre religion, on la défend déjà premièrement en tant que citoyen. Parce que tout simplement, je suis citoyen, mes convictions, j'ai des droits et des devoirs, et bien parmi mes droits aussi, c'est de me respecter et de respecter ma croyance et mes convictions religieuses. I could not have explored Paris and not visit its great mosque, a beautiful and peaceful place in the heart of Paris, where I met one of the most famous Muslim scholars in France. Je m'appelle Dalil Boubakar, Abou Bakr. Je suis né en Algérie. Dalil Boubakar is an engaged doctor and mufti and has also been the president of the French Council of the Muslim Faith. Et j'ai fait mes premières études mixtes, d'un côté les études françaises qui m'ont mené à la médecine, je suis docteur en médecine et membre du Conseil de l'Ordre des médecins de Paris. J'ai fait mes études musulmanes dans mon pays natal, l'Algérie. Nous connaissons la culture européenne. Nous souhaitons que la culture musulmane soit mieux appréciée, considérée comme une culture de paix, une culture de tolérance, une culture d'ouverture, que certaines tendances dures, certaines tendances fanatisantes, certaines tendances parfois violentes ou terroristes ne sont pas le message de l'islam. L'islam, c'est la paix. L'islam, c'est le message coranique que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé comme un message qui est un message de spiritualité, un message de solidarité et qui considère juifs, chrétiens, musulmans comme les frères qui adorent un même Dieu, le même Dieu
de Moïse, de Jésus ou de Mohammed, ça nous rassemble. Et donc nous estimons qu'il n'y a pas lieu de créer des différences ou des violences entre les religions. Les religions sont destinées à vivre ensemble. C'est ce que nous souhaitons ici avec nos frères juifs, avec nos frères chrétiens et toutes les religions qui existent en France. En fait, dans les médias, souvent malheureusement, et quand on prend des gens de tous les jours, ils vont soudainement penser « Oh mon Dieu, les musulmans, ce sont des mauvaises personnes, l'islam, c'est une religion de, menaces, de torture. » Absolument, ce sont des véritables conséquences, si je puis dire, de périodes difficiles qu'on a vécues récemment en France et en Europe, liées à des problèmes extérieurs à la France. Daesh, Ben Laden, c'est loin, loin, loin de la France. Et leurs influences avec la guerre de Syrie, avec la guerre d'Irak, avec ce qui s'est passé dans des pays musulmans comme l'Égypte, comme la Libye ou ailleurs, ont amené vers la France des gens qui ont perturbé la vie française, des gens qui ont mis de la violence, qui ont fait du terrorisme. Là, aujourd'hui, nous fêtons, Yannick, le Premier ministre, a été à Bataclan, où il y a eu combien de morts liés à un terrorisme aveugle. Et ce terrorisme-là, nous le disons, c'est pas l'islam. Jamais l'islam n'a demandé à un musulman de tuer un autre musulman ou un autre, une autre personne de quelque religion qu'elle soit. Il n'y a aucune raison, aucune. Eh bien, ces gens-là ont tué, ils ont été tués, mais ils ont laissé ici le sentiment que ils ont représenté l'islam et, comme vous dites très juste, l'amalgame, c'est ces gens-là, islamistes, c'est l'islam. Donc nous vivons cette difficulté, la conséquence de ces actions terribles contre la population, et même la population française fait l'amalgame, et la presse, les hommes politiques en France, en Europe, se méfient beaucoup de l'islam, et je souhaite qu'ils puissent, comme vous l'avez dit, faire confiance tout de même aux musulmans qui n'ont pas du tout cette volonté de nuire et qui veulent vivre tranquille. Je suis médecin, c'est pour soigner des gens, c'est pas pour tuer. Il y a une volonté de jeunes aujourd'hui qui ont été dans les facultés, dans les universités, qui sont l'élite des musulmans, qui sont des entrepreneurs. Il y a 150 000 jeunes qui ont ouvert des entreprises en France, dans l'économie, dans le bâtiment, dans l'enseignement, dans l'administration. On a même quelques députés, femmes et hommes, dans l'Assemblée nationale. Et nous espérons que toutes ces personnes donneront de l'islam une vision plus évoluée, plus moderne, plus pacifique, plus utile à ce pays, parce que les musulmans, c'est souvent la jeunesse musulmane, et il faut qu'un pays comme la France ou l'Angleterre rattrape la jeunesse et lui donne les moyens de s'exprimer, de travailler, parce que actuellement le chômage est vraiment très important chez les jeunes, notamment dans les banlieues, dans les cités, et comme partout, ça crée des difficultés d'intégration. Les jeunes disent nous sommes français, mais nous n'avons pas les mêmes moyens. La scolarité n'est pas terrible. L'accès à l'université est difficile. L'accès au diplôme, encore plus difficile. Donc, ils n'ont pas réussi une intégration qui leur donne l'importance, la culture et l'instruction pour avoir des responsabilités. Donc ils restent toujours encore en retard par rapport au progrès, par rapport à la modernité, par rapport à la responsabilité actuelle, et donc ils souffrent
Mais il faut que on s'occupe de ces jeunes-là, parce qu'ils sont l'avenir de l'Europe, de la France, et partout où ils sont, c'est eux qui seront les futurs cadres et les futures populations de l'Europe et de la France en particulier. Donc il faut absolument les aider. It was an eye-opener to meet fellow French Muslims who have worked with passion to represent Muslims in France and defend the image of Islam. We all come from different walks of life. The truth is that we never forget our family roots and cultural and religious heritage. It is part of us. It is simply our raison d'être. أشهد أن لا إله إلا الله.